Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'orpaillage. Donc je me réjouis beaucoup de cette session. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné et voilà, je me réjouis de partager ça avec vous. Je suis venu avec un pote et on va faire ça, on va essayer de faire ça comme il faut. Prendre soin bien sûr du milieu, respecter la nature, remettre l'endroit en l'état. Et voilà, je vous dis à très bientôt, on va faire des tests et on vous tient au courant de ce qu'on trouve. Allez, alors voilà, là c'est 11h30, on a déjà fait un joli trou. Et il y a une jolie aile de mouche, je pense qu'elle doit faire 4-5 mm de long là, qui s'est pointée. Ça fait très plaisir. Là-dessous, il y a plein de petites paillettes qui viennent de se cacher. Donc on creuse au bon endroit, c'est cool, vraiment chouette. Et là on en profite pour dépolluer, hein, bien sûr, action positive de l'orpaillage, on dépollue. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des opérations. À tout. Bon, voilà, un petit point de situation à 3h moins quart, on a fait pas mal de recherches dans ce secteur. Que c'était plutôt prometteur, on a déplacé le gros caillou là et ouais, on a trouvé un peu d'or. Je vais vous montrer ça. On a juste eu un petit souci à un moment donné, l'eau de la rivière est montée d'un coup de 10 cm. Du coup, on s'est retrouvé avec la rampe passablement sous l'eau, ce qui l'a un peu rincé. Mais je pense que c'est sans grande conséquence parce que on a vu que l'or était plutôt bien resté agrippé. Donc on a une toute petite paillette là-haut qui se cache, qui fait ça timide. Là aussi un petit point, quelques paillettes. On voit que tout ce qui est marcassite, hématite, et jadéite aussi un petit peu, le vert là, et ben ça reste, c'est ce qu'il y a de plus lourd, donc ça se concentre et ça concentre bien. Donc toutes les petites paillettes qu'on a trouvées pendant la matinée, elles sont cachées là-dessous là, ou à la limite à la rigueur dans le métal déployé juste là derrière. Voilà, hein, passablement de matériel qui a été passé à travers la rampe. C'est normal. En tout cas, c'est vraiment idéal de pouvoir passer la journée dans la rivière alors que c'est la canicule et qu'il fait vraiment trop chaud. Les pieds dans l'eau, ça passe trop bien. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est 17h. On va s'arrêter. Donc vous pouvez voir le trou, ici la prospection, ici une bonne zone. Du coup, là il y a mon pote qui est en train de finir de passer le dernier saut. On va évidemment reboucher le trou complètement. Et voilà, on fera encore une petite photo, vidéo de la battée finale. Donc voilà, tous les cailloux qui étaient là, ils sont là. Et tous ces cailloux, ils vont aller ici. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, le trou est rebouché. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va pouvoir sortir la rampe de l'eau. Et puis, passer à la battée finale. Voir ce qu'on a réussi à récolter pour la journée. Je vous dis à toutes. Et voilà, la pesée finale de la sortie, 287 mg, 86, voilà, du bel or, super content, encore un petit peu de nettoyage, mais sinon c'est vraiment chouette. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures d'orpaillage. Salut les amis, ciao.